Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, alors j'ai fait pas mal de vidéos aujourd'hui quand même, hein. Toujours flouté en attente des 500 abonnés, en attendant, eh ben, comme je disais ce matin, on attend avec impatience le trailer de Thor Love and Thunder, et finalement Marvel, ben, ils nous ont envoyé Miss Marvel, qui va sortir sur Disney+. Donc écoutez, on va se regarder ça. Ça, c'est le début. Et déjà, on voit que c'est c'est drôle parce qu'il y a Ant-Man en dessin. Et Man End. Driving Listen Today. Allez, on est parti. Week-end en musique, okay, pas alors mal. Pour commencer, je veux que tu saches que je comprends. Vous comprenez quoi? Le lycée. Kamala. Un nouveau t-shirt Avengers. C'est chou. Elle trouve que je suis une fille bizarre. T'es bizarre. Les garçons. Okay. Excuse-moi. Ouais. Voilà, bizarre la direction. Désolé. Alors, tu t'évades par la fenêtre dans ton petit monde imaginaire. Okay. Grosse fan de Captain Kamala. Hé hey, t'es là? Je t'en prie, concentre-toi. Je vais devoir découvrir tout mon avenir avant le déjeuner ou... Parce que... Ils ont peut-être pas tort. Je passe mon temps. Okay. Americano. À vivre dans un monde imaginaire. Ce n'est pas toi, cette tenue. Et c'est pas vraiment les filles comme moi vivant à Jersey City qui sauvent le monde. Oula. C'était dans mon imagination, ça aussi. Il t'est arrivé quelque chose? Non, pourquoi? T'as entendu parler de moi? Kamala? Quel effet ça fait? Cosmique. J'ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Mais j'avais jamais imaginé tout ça. Est-ce que tu sais au moins ce que tu es? Qu'est-ce que c'est que c'est? Je suis une super-héroïne. Ah. Mi-juin, ok, comme c'était prévu. Ok. Ça, c'est l'affiche promotionnelle qui est basée d'un des comics en plus. C'est très sympa. La direction que ça prend, c'est un tout petit peu bizarre quand même. Ça c'est très bien pensé, ça, par contre. La bulle de comics qui sort de sa tête pendant qu'elle est en cours, ça c'est Marvel, ça. Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ok, alors pour commencer, je veux que tu saches que je comprends. Vous comprenez quoi? Le lycée. Kamala. Donc là, le t-shirt avec Captain Marvel, Valkyrie, et ça c'est quoi? C'est la guêpe? Ok, grosse fan de Avengers, ok. Elle trouve que je suis une fille bizarre. Donc là, c'est le costume apparemment qu'elle va emprunter, ça a l'air d'être dans un supermarché. Et bizarre. Les garçons, excuse-moi. Ah là, par ouais. contre, tu marches rien à dire, no comment. Désolé. Alors, tu t'évades par la fenêtre dans ton petit monde imaginaire. Bon, on sait que c'est une grosse fan de Captain Marvel. Donc jusque-là, tout est normal. Hé, hey, t'es là? Je t'en prie, concentre-toi. Je vais devoir découvrir tout mon avenir avant le déjeuner ou... Parce que... Okay. Ils ont peut-être pas tort. Je passe mon temps. Donc oui, donc c'est... Je disais, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est une Americano... comment on dirait en fait elle est à moitié américaine et musulmane du coup, donc elle fait la prière et je peux rester là. Vivre dans un monde imaginaire, ce n'est pas là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trucs à voir? Ouais, ok. Toi, cette tenue. Et c'est pas vraiment les filles comme moi vivant ça, à Jersey City qui sauvent le monde. Ça, par contre, ce bracelet-là... Alors, je savais qu'elle allait pas avoir ses vrais pouvoirs, parce que ses vrais pouvoirs... elle peut étirer, agrandir ses membres elle-même, etc. Mais si je me trompe pas de mémoire, c'est une inhumaine. Donc là, apparemment, ça sera pas une inhumaine. Elle aurait trouvé des bracelets... Donc... Ça doit être encore un truc familial ou quelque chose comme ça. Et ces bracelets, ça lui donnerait ses pouvoirs. Mais alors, est-ce que ces bracelets, est-ce que c'est, ça va être basé sur quoi? Sur la, sur ses origines
ou des bracelets extraterrestres. C'était dans mon imagination, ça aussi. Peut-être que ça serait des bracelets extraterrestres, et du coup, ça ferait le lien entre Captain Marvel, où elle sera dans le film, possiblement. Il t'est arrivé quelque chose ? Non, pourquoi ? T'as entendu parler de moi ? Kamala ? Donc là, ouais, avec sa main, elle peut fermer la porte de moi. Quel effet ça fait ? C'est cosmique. Voilà, parce qu'elle dit c'est cosmique. Et du coup, si ce sont des bracelets avec de la puissance cosmique, ça vient forcément, donc c'est extraterrestre, c'est pas humain, et donc du coup ça ferait vraiment le lien avec Captain Marvel. J'ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Ça, par contre, c'est qui ça ? Qui c'est celle-là ? Que je voulais ce genre de... Ils sont quatre. Aucune idée. Mais j'avais jamais peut-être que c'est imaginé tout ça. Est-ce que tu sais au moins c'est que tu es. Ah voilà, est-ce que tu sais vraiment ce que tu es. Donc c'est peut-être une inhumaine finalement. Je suis une super-héroïne. Ouais. Ça par contre, voilà, ça c'est, comme je disais, l'affiche promotionnelle, c'est basé d'un bouquin sur Miss Marvel, et donc du coup ben là ils ont reproduit ça, c'est sympa, ça fait aussi un peu penser à, enfin c'est un peu différent, ou Spider-Man, on le voit aussi avec New York comme ça sur une affiche, c'est assez sympa, et donc c'est confirmé que ça sera le 8 juin, et c'est assez sympa. Ben écoutez, c'est pas le numéro 1 des trailers qu'on a vu jusqu'à présent, mais c'est toujours pas mal hein. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre le 8 juin. Ben, elle a vraiment une sale dégaine, hein, franchement, sur cette photo, la pauvre. Mais bon, écoutez, bon, on va se laisser là-dessus. Allez, bye.